Bonjour, je m'appelle Pierre-Yves Coll, je suis à ST Microélectronique en tant que IT Program Manager. Donc mon rôle, c'est de coordonner des projets informatiques avec soit des gens du business, soit des gens externes, soit des équipes de développement et de permettre la réalisation de logiciels en interne dans l'entreprise. J'utilise principalement pour de très gros projets informatiques dans plusieurs cadres, soit par exemple pour ce qu'on appelle les UAT, donc UAT c'est User Acceptance Test par exemple, ou pour la validation des change requests, ou surtout aussi pour le suivi d'activité. Tulip, le gros intérêt, c'est de pouvoir passer d'un mode déstructuré, qui est la gestion des mails par mail, toute la gestion d'activité par mail, à quelque chose de beaucoup plus structuré, puisque un artefact va représenter une action, et on va pouvoir faire un suivi avec un historique, avec un statut ou différents champs. Donc ça, c'est un des premiers avantages. Le deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir customiser Tulip exactement par rapport au contexte de travail que l'on va devoir réaliser. Donc on va pouvoir adapter le vocabulaire de Tulip au cas business qu'on représente. Donc ça, c'est très intéressant. Puis on va pouvoir jouer finement sur les différents statuts ou champs qui sont dans le contexte de travail. La gestion de suivi d'un change request est complètement différente d'un follow-up d'activité. Donc on pourra avoir deux trackers complètement spécialisés. Go.